Alors, pour 99 centimes, hop, j'ai acheté ces petits, cette petite plaquette, pardon, de boucles d'oreilles. C'est des chouettes. C'est chouette, hein? Hop, regardez. La plaquette, hein, donc il y a tous ces modèles dessus. Génial. Hop, quoi demander. J'ai trouvé aussi ce mascara Big Lash et XXL. Et quand j'ai ouvert pour regarder un peu la brosse, donc déjà c'est une grosse brosse qui est fournie de petites, comment on dit ça, de fibres. Voilà, quand vous les fibres, on les voit peut-être en bordure, on les voit un peu. Je vais me rapprocher, mais je vais vous sachez sur mes genoux. Voilà, 99 centimes. Regardez, vous avez, ça se voit. Vous avez des fibres. Et puis la brosse, elle est balèze, balèze. Dotée de fibres. Donc, moi je dis, ça fait bien le boulot pour aller bosser, pour sortir XXL. On prend. On n'hésite pas. J'ai mon papa qui gargouille. Alors, je vais mettre ça de côté. Ensuite, aujourd'hui j'en ai mis, c'est un gros crayon. Comme une fois je vous avais présenté le blanc, là j'ai pris vert lagon. J'en ai mis aussi aujourd'hui dans la muqueuse. Vous voyez, ça fait la blague. Pour les yeux marrons, je trouve que ça peut être sympathique. 99 centimes, il est gras, il est génial. Ensuite, moi j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles dessus. J'ai pris les mêmes que celle-ci, pardon. Cette petite plaquette de petites boucles d'oreilles. Ça se met à tout instant de sa vie, sur mon exemple. Il est très bien. J'ai pris un parme aussi hein, dans la gamme Yes Love. Un parme. Vous n'en avez pas du parme. Ça aussi, c'est très bien pour la rentrée. Et j'ai pris rose. Je pense qu'il va se voir à la caméra, celui-ci. Non, même pas. Il est terne alors qu'il est rose, rose fluo, celui-ci. Ça va être sympa, ça aussi. Ensuite, j'ai pris... il avait du gloss mat. Une encre à lèvres, en fait. Alors, j'en ai mis hier sur ma main. Franchement, ça a du mal à partir. Il est génial. Alors, on va refaire un trait. Hop. Regardez. On regardera tout à l'heure. De toute façon, après, j'ai plein de gloss mat de rouge à lèvres mat à vous présenter. Dans sa boutique, il y en a plein. Hop. Donc, je fais la razzia. J'ai pris un blush. J'ai pris celui-ci. Je vais l'ouvrir. Regardez. Espèce de corail, terracotta un peu. Alors, je vais le swatcher. Hop. Je ne sais pas si ça donnera. Voilà. Très sympathique. Touche claire. En ce moment, c'est ce qui va bien. Je l'ai mis un peu aujourd'hui. Ça ne se voit pas trop. Ensuite, il y avait aussi les paillettes. Donc, j'en ai plein de paillettes. Hein, déjà parce que le spectacle, les ongles. Mais là, j'avais pas ce contenant. Et j'avais pas cette couleur. C'est pareil, on verra pas, mais c'est rose fluo. Voilà. Rose fluo. Et là, il y en a un maximum. Ça peut servir. Pour mettre sur les ongles ou pour faire un do-it-yourself, il y avait une plaquette comme ça, de perles. Toutes les couleurs, il y avait du bleu, du rose, du blanc. J'ai pris ça, rose. Il m'a dit que c'était gros pour les ongles. Donc derrière, oui, il y a, voilà, on peut customiser les écrans, enfin les claviers. Il y a toute une liste pour customiser les portables, tout ce que vous voulez, les coques. 99 centimes, il y a de quoi faire. Alors, il y avait aussi chez lui des plaquettes de tatou. Des petits livrets, il y en a 280. Alors, je vais prendre lequel c'est que j'ai pris. Voilà, 280 tatous. Donc voilà, moi je l'ai fait sur le poignet parce que je m'en ferai, j'en ai un hein, au niveau de l'aine côté droit qui descend jusqu'en bas, mais j'en veux dans le poignet, donc à l'intérieur du poignet, que je ferai dans un autre moment de ma vie.
dans une transition. Je vous expliquerai plus tard. Hop, voilà, 280, vous avez tout cela. Pour vous dire, il y a de la planche pour 99 centimes. Voilà, hop. Oh, voilà, ça fait la journée. Ça fait son petit effet, c'est très bien. Et il m'a offert plein d'autres qui étaient dépareillés, un peu plus colorés. Il me les a offerts parce que il y a eu des vols, il y a eu des carnets qui sont arrivés un peu plus vite que d'autres. Et du coup, amendables. Donc il m'a dit prends-les. Voilà, donc bon, je vais faire des petits trucs. Même si ça se voit pas ceux-là parce qu'ils sont un peu plus masculins. Certains, donc je les ferai à des endroits incongrus. Ça fera sa surprise. Donc ça, c'est les achats que j'ai fait hier. Et j'ai d'autres achats à vous montrer que j'ai fait il y a quelques temps. Parce que je passe régulièrement dans ce magasin, vous le savez. Alors, j'ai pris des stickers pour les ongles. Regardez. Le jour où on a la tenue assortie, qu'on n'a pas trop envie. Voilà. Donc il y en a 10, hein, évidemment. Non, il y en a... Ouais, il y en a... 16, parce qu'il y en avait qui étaient planqués là, et il y a deux planches, voilà, parfait. J'ai pris de petites palettes pour tous les jours dans les tons roses, ça aussi, voilà, pour aller bosser, pigmentation, un peu, voilà, le rose il est un peu faiblard, le cuivré un peu plus, bon. Ça va très bien quand on va pas se rater la journée. Moi j'ai tendance à faire beaucoup de maquillage de nuit pour le spectacle où on en met une quantité astronomique. Et du coup pour la journée j'ai toujours un petit peu plus de mal. J'ai toujours peur de trop en mettre. Alors du coup j'en mets pas assez. Enfin bref, j'arrive pas. Jusqu'au jour où je vais m'acheter le miroir qui va bien avec la lumière du jour et tout. Comme ça je peux pas me manquer. Après j'ai pris ce petit headband avec les fils de fer là, vous savez. Voilà, hop, clac-clac, on noue avec les fils de fer, on fait ce qu'on veut, on tortille très bien. J'ai pris des vernis fluo que j'ai testés, ils fonctionnent très très bien. Eux, ils sont fluo la journée. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils prennent la lumière, c'est qu'ils sont fluo. Une couche suffit, ce qui est très rare dans un vernis fluo. J'ai pris l'eau orange qui fait tout son effet, on le voit pas, hein. C'est dingue. Il fait tout son effet lui aussi. Le bleu, un beau bleu, mon Dieu. Le bleu Walt Disney. Alors, ça paraît être le même que j'ai aujourd'hui, alors que lui, c'est un bleu lavande. Vous voyez comme quoi. Lui aussi, je l'ai testé. Et un bleu micro pailleté, un peu pour aller en façon ça se voit. Un bleu électrique. Voilà. La marque Easy Paris. Ah oui, et un mint. Pistache mint. Et trop beau celui-là aussi. Crémeux. J'adore. Pareil, je ne vous dis pas les prix, c'est 99 centimes. Là-bas, je prends mon eyeliner. J'ai mal refermé mon encre à lèvres. Je prends celui-ci. Donc, je fais toujours ma petite réserve. Un pinceau souple. J'en ai aujourd'hui. Il est génial, hein, franchement. Hop, hop. Génial. 99 centimes. Des encres à lèvres. Ouh, du coup, on y voit mieux. Non? Je sais pas. Donc ça se présente comme cela, hop là, 24 heures. C'est quoi la marque? Laetitia Well, Lip Gloss, Firo 24 heures, couleur permanente, long lasting. Donc j'ai pris toutes les couleurs, là je vous présente le 4. Alors, bon, ce qu'on va faire, là. Déjà vous voyez celui de tout à l'heure, on va le faire à côté. Je n'ai pas mis beaucoup parce que sinon pour faire partir ça, ça va être l'horreur. Regardez celui-là. Pas top. Génial. Donc le 4. Je vous présente le 2. Alors si s'il y en a d'entre vous, pardon, qui désirent les lip gloss, l'intérêt d'en commander parce qu'il n'en avait presque plus. De toute façon, il doit partir faire sa commande. Alors lui il est là. Ils sont magnifiques. Alors ils sont un peu collants au départ,
On me voit mieux là, je comprends pas. C'était la batterie. Mais vous me verrez un peu terne, un peu plus. On en est là, quoi. Là, je vous présente le. Hop. Le 9. Là. Attendez, je mette bien le. Le 9. Ah non, mais ne cherchez pas, ils sont magnifiques. Donc, c'est vrai qu'il y en a sur AliExpress, tout ça, machin, mais bon. Quand j'ai vu ça, c'était à côté. J'ai pris, je prends toute la rangée. Là, oula, je vais vous faire partir ça, ça va être déraisonnable. Mon Dieu, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Là, c'est le 5. Alors, celui-ci, il est un peu plus marronné, corail. Il est magnifique, hein, orangé. Oh, j'aurais dû mettre celui-là aujourd'hui. Un marron. Alors, un marron. Lui, c'est le 3. Le packaging, hop, on va le mettre là. Ah ouais, il est marron, ça peut plaire pour l'automne, ça. Voilà, et oh, j'arrive pas là, pas beau ça, il est beau. Non, bah, je lui demanderai s'il peut pas commander des nudes un peu, parce que là il y a le 8, il n'y a que celui-là qui fait un peu nude. Oh non, c'est pas celui-là. Celui-ci, le 8, il est là. Un peu orangé. Le 6. Hop. Rose, rose, rose. Quand tu me tiens. Hop là. Rose violet un peu, hein. Le 7, je crois qu'il y avait 9 couleurs. Ouais, 9 couleurs, j'ai pris les 1. C'est celui-ci qui fait nude, je crois, ouais. Voilà, nude rosé. Un rosé... Vous voyez, là. Mais bon, les couleurs, c'est pas le même rendu en vrai. Et le dernier, c'est le numéro 1. Alors lui, il est flashy. Ça, tu peux pas le mettre n'importe où. Parce que il est, enfin, ça se voit pas, mais il est super fluo, quoi. Oh, ah ouais. Fâche. Fâche. Pour aller bosser. Regarde-moi ça. Non, mais tu verras pas comme moi je vois. Il est flashy, flashy. Ensuite, il avait une autre alternative. Il avait des stylos. Est-ce qu'ils se montent ceux-là? Ouais, ouais, ils se montent et tout. C'est des rouges à lèvres mat aussi, mais sous forme de stylo. Donc tu as le 3, chacun chez soi. C'est pour la rime. Hein. Je vais faire n'importe quoi, je le sens. Alors eux, ils sont mat dès la base. Hein. Attends. Ouais. Ça, c'est le 3. Dès que tu appliques, hop, t'as du mat. Et là, c'est le 6. Bon, lui, il est un peu plus rouge. Mais bon, il faut un peu plus en mettre. Hein. Voilà, hop. Tu vois ça? C'est pas mal, hein. Mais écoute, comment te dire? Il y a trop de bonnes affaires dans ce magasin. Et je m'en lasse pas, en général j'essaie d'y aller une fois par mois. Au bord de la route, il y a une grande pancarte. Et quand il y a marqué arrivage, je suis la première. Voilà, ben écoutez, marquez-moi ce qui vous tenterait. Ou alors, faites des idées dans ce magasin. Je vais tenter l'impossible, enfin non, pas l'impossible. Je vais voir avec lui si je peux pas filmer le magasin. Quand j'aurai 2 minutes. Ça encore, c'est pas gagné. Comme ça, vous verrez un peu plus. Il y a des bijoux, il y a des colliers. Là, bientôt, fin septembre, il va rentrer toute une autre gamme, un tout petit peu plus cher, parce qu'il avait un deuxième magasin à Palavas, pour
pour ceux qui connaissent, et va tout rapatrier dans le magasin à 99 centimes, donc il y aura des prix un peu plus hauts. Je vous montrerai quand même, j'irai faire un tour. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je compte, comme c'est long les commandes AliExpress, je compte faire une commande là la semaine prochaine. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, vous faire un montage de toutes les photos de ce que je commande. Comme ça, vous savez, si vous devez vous tenir au courant des arrivages, quand je reçois la marchandise, si ça va vous intéresser, vous savez déjà ce que j'ai commandé. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, vous attendez de la réception des marchandises avant de commander. Vous savez ce qui va vous intéresser pour la prochaine vidéo. Enfin, dites-moi en barre des commentaires. Pour l'instant, écoutez, je fais comme je peux pour les vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. N'hésitez pas à me suivre sur mon Snapchat, sur Instagram. Et puis voilà, puis sur Facebook et puis partout. Je vous souhaite une belle rentrée de septembre. Et à très bientôt. J'étais un peu confuse dans toutes mes explications, mais je pense que vous avez compris. Voilà, bisous, bye.